Bonjour, je suis l'évangéliste missionnaire Pessy Armand, des Assemblées de Dieu du Gabon, église locale de Port-Gentil, Balise et ses annexes. Je viens vous communiquer quelque chose de très important. Chers responsables, chers frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur vous soient abondamment multiplié. Comme vous le savez, notre pays est aussi atteint par la pandémie du coronavirus. Les autorités politiques et administratives de notre pays, le Gabon, ont pris un certain nombre de mesures, barrières pour le bien-être de tous. Les membres du Bureau national, en tête desquels l'apôtre docteur Gide Benjamin Goua, dans le même élan, nous a donné des directives que nous efforçons de mettre en pratique avec la conviction que le Seigneur Jésus, qui a triomphé de tout, gardera nos cœurs en paix si nous nous confions à lui comme le confirme Philippiens 4, le verset 6 et 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour ce qui concerne les Assemblées de Dieu de Port-Gentil, église locale de la Balise et ses annexes, et à cause de l'urgence, nous avons tenu des travaux de réflexion avec les membres du Conseil, dont voici les mesures importantes. Premièrement, pour éviter le déplacement d'une famille à une autre, d'un quartier à un autre, jusqu'à nouvel ordre. Chaque famille devient une église de maison. À cet effet, chaque membre de famille pourra continuer à prier, à adorer et à bénéficier des enseignements du vendredi, du dimanche que nous, les pasteurs, nous leur dispenserons dans les forums de l'église, nos pages Facebook, YouTube et le forum WhatsApp. Deux, vous trouverez des sujets aussi de prière dans ces forums. D'autres informations complémentaires vous seront communiquées au fur et à mesure. En ce qui concerne les mesures d'hygiène, qui sont aussi très importantes pour freiner cette pandémie, nous insistons sur les recommandations gouvernemental, à savoir se laver les mains avec du savon. C'est très important dans toutes vos maisons. Utilisez une lotion hydroalcoolique. Il y a aussi, si vous voulez tousser, je vais vous montrer, c'est un exercice que nous devons apprendre à faire. Si vous voulez tousser et éternuer, alors faites-le comme ça, au niveau du creux du coude ou dans un mouchoir. À usage unique, ensuite il est jeté. Espacez aussi les chaises d'au moins un mètre dans vos maisons. Ne pas dépasser 10 personnes. Nous vous encourageons à suivre les informations à la télévision afin de vous conformer aux recommandations du gouvernement au fur et à mesure qu'il nous communiquera officiellement, sachant que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Je vous remercie.